Bonjour et bienvenue à ce petit tutoriel pour vous montrer comment changer les échelles par défaut dans les fichiers de mise en plan SolidWorks. Je vais commencer par ouvrir une mise en plan ici. Donc je vais ouvrir une mise en plan de taille standard, mais ça peut être une mise en plan de toutes sortes. Et ce que je vais retrouver ici dans ma mise en plan, en fait, en bas à droite de mon écran, ce sont les échelles disponibles par défaut pour nos mises en plan. Donc, si jamais on veut venir faire une modification à ces échelles, on va simplement venir éditer un fichier texte et pour trouver ce fichier texte-là, je vais aller dans mes options de système, dans les emplacements de fichiers pour retrouver où se trouve mon dossier de normes d'échelle de mise en plan. Il va se trouver juste ici et je vais avoir le chemin qui m'est donné. Une fois que je vais avoir l'emplacement de mon fichier, je vais pouvoir me rendre à cet endroit-là, et je vais retrouver ici le fichier texte que je peux éditer en double-cliquant. Donc ici, je vais retrouver dans ce fichier texte-là les normes ainsi que les échelles par défaut qui sont attribuées. Si je veux ajouter donc une norme d'échelle, je vais simplement rajouter une ligne et mettre donc la nouvelle échelle que je souhaite avoir. Je vais sauvegarder le fichier, la touche CTRL S, et je vais fermer mon explorateur de fichiers. Je vais redémarrer SolidWorks. Je vais relancer donc une nouvelle mise en plan. Je vais choisir le même format ici. Et lorsque je vais venir chercher donc, mes mises à l'échelle, je vais pouvoir retrouver ici mon nouveau format d'échelle que j'ai ajouté dans le fichier texte. Donc voilà, c'était la procédure pour changer les mises à l'échelle par défaut dans SolidWorks.